D'énormes navires de croisière comme le Queen Elizabeth pourront prochainement accoster à Pauillac. Cette ville en bord d'estuaire va se doter d'un terminal pour gigantesques paquebots jusqu'à 340 mètres de long d'ici 2022. C'est potentiellement 8000 touristes qui débarquent en même temps. Alors on a l'habitude d'accueillir beaucoup de gens à Pauillac sur les quais, notamment avec des grandes manifestations comme le marathon ou la solitaire du Figaro. Mais effectivement, ça va bouleverser sociologiquement et économiquement la ville avec cette arrivée des paquebots. Le site de ce terminal Médoc, à 10 minutes à pied du centre, a été repéré à l'emplacement du vieux port du Guet. Les touristes pourront y débarquer et être acheminés dans les vignobles, sur la côte et jusqu'à Bordeaux par vagues d'une dizaine d'autocars à chaque rotation. Aujourd'hui, c'est un site qui est industriel. Aujourd'hui, on concasse des pierres sur ce site et donc c'est ce qui fait qu'on n'a pas de souci environnemental dessus. Et l'idée, c'est demain transformer ce site en pôle touristique d'accueil pour les touristes qui viendront du monde entier visiter la Gironde. De prochaines analyses des vases vont être réalisées pour vérifier qu'il n'y a pas de pollution, car un chenal sera créé à cet endroit. Ce projet se situe en amont du port de Trompe-Loup, déjà aménagé pour recevoir les morceaux de l'A380. On a les pièces A380 qui viennent de toute l'Europe jusqu'à Pauillac. Demain, ce sera les pièces Ariane Espace qui partiront de Pauillac pour la Guyane. Et donc du coup, ce ponton aujourd'hui n'est pas utilisable pour pouvoir accueillir les visiteurs. D'après les études, 25 à 30% des touristes maritimes passent leur journée dans le port d'escale, mais aussi dans les fabuleux châteaux du Médoc, qui jusqu'ici recevaient plus d'1 million de touristes, bientôt davantage.